Allez, on va demander à Monsieur Blasson d'aller remiser la ceinture avec Nabil Mazari. Voilà. Allez, c'est l'heure du main event de cette première Fight Night Mind C-Fight. À 3, Mohamed Souma à l'écran. Qui sera opposé à Marwan Sifili chez lui, le Tunisien. Alors pour les deux hommes, hein, le contrat est simple, la gagne. Et uniquement la gagne. Sifi qui reste sur une belle saison, une belle année 2022, même si il y a eu ce revers en Italie. Mohamed Souma, boxeur. Moi j'aime bien hein, Mohamed Souma parce que c'est un. Première reprise! Il va, comme on dit. Alors, on le sait, Marwan Sifi est un boxeur qui frappe, mais c'est aussi un stratège. Hein. C'est un garçon qui est intelligent dans ce qu'il fait. Et pour l'instant, Mohamed Souma utilise bien son allonge. Alors c'est un combat en 5 reprises. Hein. Il y a la ceinture de la Fight Night One en jeu. Il fait mal en zone basse sur les low kicks. Et dans le coin de Mohamed Souma, on lui demande hein, de bloquer, en toute logique. Faire réprimander, il est pris par la patrouille hein, Mohamed Souma, la saisie de jambe est interdite en France, je crois que en Hollande ou ailleurs, en Kawan on peut saisir la jambe, attention avec ce genou, pour l'instant il est plus petit hein, Marwan Sifi, donc il est obligé de casser la distance, s'expose un petit peu aux frappes. C'est lui qui prend l'initiative. Hein. Mohamed s'est fait mentir à l'instant. Attention au crochet de Marwan Sifi. On l'a dit, il en a sous le pied. De physique opposé. Hein. Il est plus massif. Marwan Sifi plus petit, Mohamed Souma, petit coup de longiline. Attention, on se retourne. Allez, c'est la fin de la première reprise. Fin de la première reprise. Dans ce combat pour la ceinture, j'allais dire le titre. Oui, la ceinture, on peut dire le titre aussi. Fight Night One. Chez les moins de 72 kg 500. Mohamed Souma hein, qui n'a pas attendu. Fidèle, hein, ben, un garçon de tempérament qui a décidé de prendre les choses en main. Et encore une fois, on a Séverin, du Full FC Crozotin, Erwin Balthazar Diaz, qui est dans le coin. Il faut bien récupérer,
bien s'oxygéner avant la deuxième reprise. Et Madame Sifi, évidemment, derrière Ludivine. Qui, faute de boxer, a coaché son mari ces derniers mois. La famille Sifi, c'est une histoire de boxe. Deuxième reprise. Allez, deuxième reprise de ce combat. De ce main event. Stop, stop. On rappelle, les règles. Pas de type hein, dans les jambes. Stop. Et quand il charge, il fait mal, Marwan Sifi. Ometsuma qui se plaint d'un coup coquille. Ah, il travaille bien avec sa jambe à l'intérieur, Marwan Sifi. C'est un garçon qui est capable de prendre son temps, hein. Qui s'enflamme pas forcément. Ometsuma qui attend hein, justement de le voir déclencher en jambe pour pouvoir suivre avec ses points. Elle est bien, il distribue les jambes, Ometsuma, il marque des points donc. C'est assez logique. Il est percutant en des deux mains. Marwan Sifi, heureusement que la garde est bien compacte et serrée du côté de Mohamed. Dans le coin de Ometsuma, on lui demande hein, de déclencher. On lui a dit c'est maintenant. Des missiles hein, sur les flancs de Ometsuma. Je pense que c'est un de ses points forts, hein, Marwan Sifi. Il est percutant en zone médiane. Allez, coquille, on l'a vu, on peut pas le nier. Du côté du Tunisien, on laisse Mohamed récupérer. Il lève bien les jambes hein, aussi, Marwan Sifi. De toute façon, c'est un boxeur complet. Hein. Allez, fin de la deuxième reprise. Fin de la deuxième reprise. Un petit peu haché comme ça. Tombé dans une espèce d'euphorie. C'est important évidemment
Allez, troisième reprise de ce combat. Troisième reprise. Allez, durci hein, considérablement. Sifi qui a fait le choix de démarrer plus doucement. Vas-y. On le sait, c'est un garçon qui est manalisé avant de faire quoi que ce soit. Dans le registre des genoux, Mohamed Souma est supérieur. Voilà, il est grand en plus. Il ne force pas hein, pour les monter. Ah, joli, intelligent. Bon coup d'œil là, de Mohamed Souma. Point, ça passe bien, faut pas rester en face hein. Mohamed Souma, il va se rattraper par la patrouille. Mohamed Souma, évidemment on n'a pas le droit de saisir. Voilà, l'arbitre lui dit c'est la dernière fois. Il va se faire sanctionner Marwan Sifi, c'est pas la première fois. Voilà, on laisse Mohamed Souma récupérer. Il faut monter un petit peu hein, sa garde côté du français parce que le Tunisien ne va pas s'en priver. S'accrocher, temporiser. Et c'est la fin de la troisième reprise. Allez, reste dans ton combat. Il faut rester dans ton combat, Mohamed. Fin de la troisième reprise. Même s'il a montré, hein, des belles choses. Chargé Marwan Sifi, bon c'est vrai qu'il y a ce coup, on est dans l'élan, on est dans une série, hein. On parle d'homme, on parle pas de robot, donc ça n'arrête pas comme ça. Et deux attitudes complètement opposées, hein. On voit Marwan Sifi plutôt très calme. Et dans le coin de Mohamed Souma, on lui demande hein, d'appliquer le travail de la salle. Là, faut pas la guerre, mon gros. Faut pas y aller à la guerre. Respire. 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 Respire.
La jambe arrière. Quatrième reprise. Oui, moi, dans la quatrième reprise de ce main event. Percutant à souhait, oh là là. Marwan Sifi, il a raison de compter l'arbitre. Ouh. Elle est passée, mais alors elle est bien passée. Hein. Il n'a pas bougé hein, pour autant. Mais c'est bien de compter, de protéger le boxeur encore une fois. Bon, je pense que hors de France, ce serait pas compté. Hein. Il charge encore une fois Marwan Sifi. Charge, hein. Il touche bien avec ses poings, Marwan Sifi. Ah, il faut pas rester en face. Mohamed Souma. Elle est belle cette série de Marwan Sifi. Oh là là, le retourné. Il est compté à nouveau, Mohamed Souma. Ah, c'est dur, hein. Là c'est vraiment, vraiment dur. Et il y retourne parce qu'il a du tempérament, parce que il est formaté pour ça, Mohamed Souma. Il ne peut qu'essuyer et c'est la fin du combat. Fin du combat sur cette nouvelle charge de Marwan Sifi. Forcément déçu, hein, Mohamed Souma, mais c'est comme ça, c'est le ring, connais bien, c'est la règle. Et on va appeler sur le ring les représentants de DRS Bâtiment, Slim Gourmand et Christelle Urbour de CD Conseil. Une belle victoire, hein, Marwan Sifi. Par KO technique. Hein. À la quatrième reprise, il prend la ceinture de la Fight Night One. Il va falloir la défendre, évidemment. Et il y a de la déception chez Mohamed Souma. C'est normal, c'est un gagnant, c'est un compétiteur dans l'âme. Bill Mazari à l'écran qui tient la ceinture, qui innove avec cette Fight Night One. Plusieurs dates, d'autres dates sont calées. Hein. Prochain rendez-vous, ce sera le 19 novembre à Chambéry avec une belle carte. Johan Mermou, Josué Le Pape, Elias Canfoy qui fait. Son baptême du feu chez les pros, voilà, beaucoup de respect entre les deux hommes. Je pense que c'est un mot fort, un mot qui résume bien cette édition troyenne de la Fight Night One. Et Marwan Sifi qui renoue rapidement avec le succès. Et donc, déclaré vainqueur. Et qui se place clairement, hein, clairement dans la position d'un homme à suivre pour les mois qui viennent. J'ai 72 kilos, 72, 73. Sifi. Boxeur plaisant, hein, de surcroît, hein, efficace. Il l'a démontré ce soir. Et pendant que cette soirée termine, juste un petit mot pour remercier deux personnes. Bravo, bravo, bravo à Marwan Sifi qui conclut
la soirée avec cette victoire par TKO, 4 face à Mohamed Souma, il prend la ceinture. Évidemment, comme toujours, prendre la ceinture est une chose, la défendre en est une autre. C'est un circuit qui est en plein développement de surcroît, des noms rentrent peu à peu. Et attention aux jeunes, attention parce que, on l'a bien compris, les jeunes ça pousse. Il y a du talent, il y a tout ce qu'il faut pour bousculer l'élite en place et prendre la place. C'est aussi simple que ça. Merci à tous.